Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de plantes, de survivalisme, donc un peu aussi, et de médecine. Donc, plusieurs de mes passions, c'est-à-dire tout ce qui est santé, tout ce qui est botanique, tout ce qui est bushcraft. D'accord? Donc, ici, je voulais vous expliquer, vous présenter comment j'ai réussi, moi, personnellement, à progresser dans le domaine des plantes, des champignons, de la botanique, de la phytothérapie, etc. Donc, je vais vous présenter plusieurs sites, plusieurs ouvrages, des conseils qui m'ont permis de vraiment m'améliorer et de me débloquer, de me dire, ok, cette plante, je la reconnais, je peux la manger. Alors qu'avant, je me serais dit, bah non, je suis pas sûr, je touche pas. Voilà. Donc, c'est dans cette vidéo. Allez, générique. Alors déjà, tout d'abord, j'aimerais commencer par des chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est vrai que c'est ça vraiment qui m'a permis un peu de m'envoler à ce niveau-là. Donc pour moi, il y en a trois que j'aime beaucoup. Donc on a Le Chemin de la Nature qui propose des vidéos assez courtes, avec des présentations assez rapides des plantes qui ne permettent pas forcément toujours de l'identifier très précisément. Mais en tout cas, ça suffit à vous donner envie ou pas de vous intéresser à une plante, et ça, c'est très intéressant. On a Passion Animale et Végétale, donc une chaîne que j'aime bien. Les vidéos sont peut-être un peu longues parfois quand même, mais ils détaillent bien les caractéristiques de la plante pour la reconnaître, et ça, j'aime beaucoup. Et enfin, une dernière chaîne, c'est Trek, Éco, Aventure, Survie. Un peu long à dire. C'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi. Donc, il présente des plantes assez originales, souvent dans le cadre survivaliste. Donc, c'est quelqu'un qui fait pas mal de trek et ça se ressent. Donc, coucou à toi. Et j'aime aussi beaucoup ces vidéos parce que, en fait, on voit bien la plante dans ses détails et ça aide beaucoup à la reconnaître. Et aussi, il aborde des plantes que les autres n'abordent pas forcément. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Alors j'aimerais donc vous présenter quelques sites internet et blogs que je trouve très intéressants par rapport aux plantes. Donc vous avez le site Génial Végétal et Garrigue Gourmande qui vont vous permettre de regarder rapidement si une plante est comestible ou toxique, si elle a des propriétés médicinales ou non. Ça permet d'avoir un rapide coup d'œil et de savoir en fait si la plante est intéressante ou pas, tout simplement. Ensuite vous avez d'autres sites plus pour l'identification. Vous pouvez mettre par exemple le nom de la plante et rajouter Overblog. Et si vous avez un peu de chance ou que la plante est assez commune, vous tomberez sur un site qui détaille assez bien comment reconnaître les plantes. Donc moi, j'utilise souvent cette méthode. Sinon, un site que j'aime beaucoup, c'est Identification assistée par ordinateur. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça le nom du site. Mais en tout cas, si vous mettez le nom de la plante plus identification assistée, ça suffit. Eh bien, vous trouvez en fait, vous tombez sur ce site avec vraiment quelque chose de très précis, très carré, qui va vous expliquer en fait comment reconnaître la plante et pas vous tromper. Donc ça, j'adore vraiment beaucoup. C'est un de mes sites préférés. Vous avez aussi d'autres sites. Donc, on a Atea Provence pour le côté un peu plus médicinal, phytothérapie, etc. Vous avez Fleurs Sauvages du Québec aussi, que je regarde quand même un petit peu moins. Les Sauvages du Poitou. Donc, on voit que c'est vraiment des passionnés qui écrivent ça. Et c'est assez agréable à lire. Donc, je conseille aussi. Voilà. Donc maintenant on a vu les chaînes YouTube, on a vu les sites. Donc maintenant j'aimerais vous parler et aborder le thème des livres. Donc les livres, ça coûte cher. Souvent sur les plantes en plus ça vaut assez cher. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand même d'en acheter parce que c'est assez pratique. Vous pouvez avoir des gros livres un petit peu et des clés d'identification. Ça aide beaucoup, il y a beaucoup d'espèces là-dedans. Et donc justement à ce sujet j'aurais trois livres à vous conseiller. Donc on a ce livre. Les plantes par la couleur, guide de la chaux. D'accord, celui-là j'aime beaucoup. Il y a plein de plantes qui sont présentées. C'est pour les gens qui ont déjà un petit peu l'habitude, mais ça vous permet d'avoir un coup d'œil avec une petite description botanique à ce niveau-là. On a la même version avec les champignons. Donc ça permet de voir assez rapidement. Donc on a pareil sur une page l'image et sur l'autre la description. Donc un conseil toujours prendre des livres avec des vraies images, pas les dessins. Les dessins, moi je trouve ça vraiment pas terrible pour reconnaître les plantes, franchement. Voilà. Donc ce livre-là, donc qui est Guide Vigo des champignons, plus de 1200 espèces. Voilà. Un dernier livre que moi je conseillerais plus à ceux qui commencent ou qui veulent.
qui n'ont pas eu trop d'expérience encore, mais un très bon livre quand même. C'est Les plantes sauvages, connaître, cueillir et utiliser de Thierry Thévenin. Donc un très bon livre que je vous conseille aussi. Donc on a des images, du texte, des utilisations, les propriétés, etc. Donc voilà pour les livres que je conseille. Après, globalement, il y a plein de livres. Vous pouvez en trouver dans les médiathèques, dans les bibliothèques. On a des livres scannés aussi sur Internet. Vous pouvez aller sur le site Ariana Libris. Je ne sais pas si c'est très légal ou pas, mais bon, c'est scanné. Vous pouvez trouver possiblement votre bonheur. Voilà. Bref. Une autre possibilité que je conseillerais beaucoup pour les champignons, notamment, c'est de commencer avec des associations. Donc, il y a des associations de cueilleurs, on a des formations, il y a des formations à certains endroits. Donc, je conseille vraiment pour prendre confiance, on peut redemander à la personne, etc., quand on n'est pas sûr. À une époque, j'aurais pu aussi conseiller d'aller voir le pharmacien. Je ne sais pas vraiment s'ils sont toujours aptes à nous renseigner au niveau des plantes et des champignons. Ça a été le cas à une époque, mais malheureusement, je crois que ce n'est plus vraiment valable. Vous avez aussi des auteurs donc, qui sont très intéressants, très connus d'ailleurs. On a Complan, Thierry Thévenin, Bertrand. Mince. Bertrand Bernard, il me semble. Comment il s'appelle lui? Petit, machin petit, je sais plus. Le dernier, je les appelle, mais vous avez déjà ces trois. Vous avez Complan, Thierry Thévenin et Bertrand Bernard, normalement. Donc trois pointures un peu dans ce domaine-là. Ça peut être des références pour acheter des livres, surtout Complan qui fait pas mal de cuisine sauvage. Les livres sont chers, mais ils sont bien, en général. Voilà. Un autre conseil, demandez aux gens qui connaissent dans votre entourage. Pensez à vos grands-mères qui ont souvent beaucoup de connaissances là-dessus et c'est souvent très intéressant. Aux voisins, etc., qui s'intéressent un peu aux plantes, ça peut vraiment vous aider et vous apprendre des nouvelles choses. Ensuite, un autre conseil, c'est vous pouvez acheter ces plantes. Donc vous achetez les graines, vous les plantez, donc ça va pousser dans votre jardin, et là vous allez les voir en vrai, vous passez un peu de temps à regarder un peu les détails et les distinctions, etc. Et vous allez finir par arriver à reconnaître la plante, si vous voulez. Ensuite, un dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est les applications pour téléphone. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui crachent dessus, mais moi en fait je trouve ça juste génial. Je m'explique. Je ne sais pas parce que j'ai pris une photo avec cette application que je vais manger directement la plante. Par contre, quand je vois une plante qui m'intrigue, bah je la prends en photo et l'application va me sortir des noms. Des fois, ce n'est pas les bons, des fois, c'est les bons. Et en fait, ça me permet en fait de faire des recherches ensuite, d'analyser s'il avait bien trouvé la bonne plante et de découvrir en fait de nouvelles plantes. Si on n'a pas les noms, on ne peut pas chercher et on ne peut pas trouver si cette plante est comestible, médicinale, si elle est toxique, etc. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup ça pour le fait que ça nous donne les noms des plantes et que ça nous laisse une chance d'ici d'apprendre à connaître cette plante. Donc moi, j'aime beaucoup et j'aurais deux sites, enfin deux applications à vous conseiller. Vous avez plantes.net, d'accord? Donc vous prenez en photo, il y a besoin de connexion Internet, donc tout le monde l'a pas malheureusement, mais bon, maintenant de plus en plus, donc normalement ça marche. Donc je reprends. Vous avez l'application plantes.net qui est très intéressante, et vous avez une application pour champignons, Champignouf. Donc allez, champignons, encore plus méfiance, mais ça peut vous donner des indications, des noms, et vous pourrez ensuite affiner vos recherches. Voilà. Ensuite, quelques conseils un petit peu si vous voulez progresser et bien avancer. Donc, je vous conseille d'apprendre les caractéristiques des familles. Donc, vous avez des familles botaniques, les Lamiacées, les Astéracées, les Apiacées, les Solanacées, etc. Il y en a plein. Et donc, je vous conseille d'apprendre les caractères et en fait, ça vous aidera après à reconnaître les espèces. Je vous conseille aussi d'apprendre les plantes et les champignons, notamment aussi, qui sont mortelles ou très toxiques. Comme ça vous évitera vraiment de faire les boulettes irrattrapables, les erreurs. Vous faites l'erreur, vous êtes fini, quoi. Donc, ça vous évitera, en tout cas, vous aurez moins de chances de commettre de grosses erreurs comme ça. Donc, apprenez les familles botaniques, ça vous aidera. Retenez les plantes mortelles ou très toxiques. Utilisez la méthode de manger aussi des petites quantités, parce que même si vous aviez bien identifié la plante et qu'elle est comestible, certaines personnes sont parfois allergiques à certaines plantes. Donc, ça vaut toujours le coup de toute façon d'y aller prudemment et de manger des petites quantités au départ. Voilà. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent aux algues et aux fougères, malheureusement, je ne sais pas trop quoi vous proposer. J'ai pas vraiment trouvé. Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout les algues de rivière. Je sais que dans un cadre survivaliste, ça peut être une source de nourriture très importante.
mais je n'arrive pas à trouver d'informations là-dessus. Ça me frustre un peu. Donc, si jamais parmi vous, par miracle, il y a des gens qui auront des connaissances sur les algues, notamment de rivière, je suis preneur. Je vous laisse tout noter dans les commentaires. Vraiment, ça serait super sympa à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous, en fonction de quand vous me regardez. Salut tout le monde. Voilà. Ciao.